Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo de Slime Laboratory. Donc, bien sûr, on va créer ensemble de la matière visqueuse. Donc, ça va être sympa. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite démo de ce petit jeu. Donc là, j'ai des lunettes de protection, des gants, des pipettes, des colorants. Voilà. Ici, donc, on a... Voilà, donc du calcium. Donc, c'est des petites solutions. Comme ça... Voilà, donc... Ça va... Toutes ces petites substances, ces solutions vont nous permettre donc de créer notre matière visqueuse, donc de la mettre en place, enfin de la... Voilà. Donc, des bêcheurs. Voilà, une protection pour la bouche aussi. Voilà. Donc bien sûr, voilà, donc ça c'est... Les instructions, donc ça c'est super intéressant, super important, hein, de bien les suivre. Voilà. Voilà, donc franchement j'ai hâte de commencer, je pense qu'on va passer un bon moment. Enfin, j'espère que vous allez en passer un en tout cas. Alors... Voilà. Alors, là on verse tout ça dans notre petit récipient, notre petit pot, comme ceci. Donc là on secoue bien, hein. Attendre à peu près donc 25 minutes. Donc voilà. 20 minutes après, donc ce qu'on a donné. Vous avez vu, hein, ça commence à prendre de la consistance. Voilà. Vous voyez, vous commencez à reconnaître, hein, la texture de la matière visqueuse. Voilà, donc ça fait un peu un effet de colle quand même, hein. Voilà. Donc voilà, donc pour notre œuf de poisson, maintenant, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc du coup, hop, on prend notre solution. Voilà, donc il faut vraiment prendre avec la cuillère parce qu'avec la pipette, c'est trop... voilà, c'est pas assez liquide, on va dire. C'est trop compact. On va faire à peu près 10 ml, hein. Et là, 15. Voilà, on va prendre on va mettre ces quelques gouttes donc de couleur rouge. 1, 2, 3 et on va s'arrêter là. Après bon, il faut bien mélanger. Voilà, comme ça on va avoir une bonne pâte à modeler rouge. Pâte à modeler, enfin. Matière visqueuse rouge, pardon. Voilà.
Donc là maintenant on va pouvoir faire notre œuf de matière visqueuse. Voilà. Donc là après bon ben on va couper la pipette de cette manière. Voilà. Voilà. Donc, deuxième étape, on prend de ça. Donc, on va prendre 3 millilitres. Et voilà, encore là, on va prendre une moitié. Alors là, on va mettre jusqu'à 30 millilitres. Voilà, comme ça. Cette solution, on la met dans ce petit récipient. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre pipette. On va prendre 2 millilitres de cette matière visqueuse. Et hop, on met tout ça dans notre récipient. Et on fait comme ça, on fait des petites gouttes. Là, ça fait des petits étards plutôt, par contre, hein. Et voilà nos œufs de poisson terminés. Ils sont vraiment cool, hein. On peut les prendre, on peut les attraper avec notre cuillère. Voilà. Donc je suis vraiment fascinée par ce qu'on peut faire avec ce laboratoire de matière visqueuse. Franchement, on peut faire vraiment des trucs super cool. Donc je suis vraiment très contente. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire voilà, si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse encore une vidéo avec la couleur verte, n'hésitez pas. Donc voilà. Aimez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, et puis laissez des commentaires, et je vous dis donc à une prochaine. Salut !